Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'un produit chinois que vous voyez ici. Ah merde, il n'y a rien. Non mais je déconne, c'est normal qu'il n'y a rien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui d'un produit chinois. Vous savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me sont intimes, on va dire, savent que j'adore les montres. Et la dernière fois, j'avais testé une nouvelle marque qui s'appelle Sinobi. Voilà, Sinobi. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un autre modèle. Et bis repetita, figurez-vous que j'ai le même problème avec cette nouvelle montre qui est, hop, qui est là. Donc, ça ressemble à la première, forcément. Très belle montre, magnifique, vous voyez, donc avec protégé et tout, mais c'est toujours le même problème, la partie aiguille qui ne fonctionne pas, à moins que je suis novice et je ne sais pas comment ça marche, j'en sais rien, mais ça ne fonctionne pas. Donc la partie électronique, parfait. Donc on va détailler la montre, forcément. Donc c'est une montre acier, hein, on va dire acier, hein. Donc c'est pas de l'inox mais de l'acier. Vous avez en fait un cadran ici rotatif pour peut-être le stress, les gens qui sont un peu stressés. Bracelet à inox, donc ici avec, hop, voilà, qui s'ouvre parfaitement, facile à raccourcir. Donc on va peut-être essayer d'enlever le plastique qui protège un petit peu la montre. Vous voyez. Je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description de ce produit qui m'a été envoyé par Banggood. Voilà, j'ai oublié de le dire. Remerciement à Banggood, mais pas remerciement du fait que la montre, eh ben, c'est la deuxième de cette marque. Suite à la première qui ne marchait pas, j'ai demandé qu'on me renvoie une autre. Et eh ben c'est pareil, bis repetita, eh ben, elle ne fonctionne pas pareil. Il n'y a que la partie digitale, à moins que ça soit de la déco. Ce qui m'étonne, ce que je vais faire après, on va aller voir en fait le descriptif directement sur le site hein, de Banggood. Comme ça, on verra ça ensemble. Voilà. Rien n'empêche, très très belle montre, mais avec. Ah là là. Partie plastique là de merde là c'est chiant parce que et vous avez vu qu'ici j'ai changé de setup aujourd'hui enfin de bureau je suis dans la chambre de mon fiston mon grand donc il m'a bien précieusement prêté son bureau je le remercie d'ailleurs voilà donc vous voyez derrière alors c'est pas évident hein, ce que avec comme ça, ça va être beaucoup mieux. Donc, vous voyez, Sinobi, vous avez le modèle, en fait. C'est la 97 S9731G. Donc, quartz, voilà. Donc, normalement, elle est waterproof. On regardera ça. Vous avez donc, du coup, le bouton ici pour. Alors, des fois, il y a des plastiques de protection ici au niveau. De la tige là, mais là j'en vois rien. Vous voyez, ça fonctionne là comme ça quand vous voulez régler. Mais vous remettez le truc, walou, rien, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Partie électronique impeccable, donc rien à dire. Voilà. Donc là, quand vous appuyez ici, vous voyez, vous changez soit vous souhaitez 14 h ou 2 h. De l'après-midi, PM. Ici, rien. Donc là, l'alarme. Vous avez le chrono et le réglage de la montre. Vous basculez ici et là, vous pouvez vous servir de celui-ci pour, en fait, passer sur la partie minute, heure, jour et date. Vous voyez? Comme ça. Donc le 27 et le vendredi. Donc voilà. Vous réappuyez ici, donc pour revenir, donc vous sortez du réglage. Là, vous avez la partie donc éclairage qui s'allume. Vous voyez, plutôt pas mal.
que je vais faire, donc je vais retourner sur la partie Banggood pour voir vraiment les caractéristiques techniques de cette belle montre Zenobi. Le modèle, je vous l'avais dit, en fait, c'est des numéros en Chine, hein. S9731G. Voilà, donc je me retrouve sur le site de Banggood. Donc c'est une montre qui coûte 26,50. Faut le dire, c'est une très belle montre, mais je vous dis, c'est la deuxième que je reçois avec la partie aiguille qui ne fonctionne pas. Donc il y a trois couleurs, vous voyez, blanc, bleu, rouge et vert. Donc moi j'ai la partie bleue. Donc au niveau des caractéristiques, la description. Voilà, donc vous voyez, Zenobi, donc c'est la 60, la 9731. Oui. Spécification, montre bracelet numérique, forme de quin ronde, le matériau, acier inoxydable, boucle pliante, sport mode, affichage du cadran, vous voyez, numérique analogique. Alors, moins que pour moi, c'est les deux, parce que là, mouvement numérique. Est-ce que c'est le fait que ça marche à pile? J'en sais rien. Mais pour moi, elle est numérique analogique. Ça veut dire que la partie aiguille fonctionne également. Résistance à l'eau, 30 mètres. Voilà, donc elle est étanche. Diamètre du cadran, environ 13 mm. Voilà, la bande largeur, bande longueur. La batterie, donc c'est une CR2032. Voilà, là vous avez tout le détail. Là vous avez les photos commercial. Donc pour moi, c'est bien une montre qui fait les deux. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Je vais peut-être la démonter parce que c'est la seconde que je reçois de cette marque dans le même cas. Dans le même cas, oui. Donc c'est bien dommage parce que c'est quand même une montre qui est bien, bien, bien finie, hein, super bien finie. Et rien à dire. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez, hein, de ces montres qui viennent de Chine, qui sont pas trop chères et qui changent la donne par rapport aux montres en fait qu'on achète ici, des Festina, des machins. Certes, celle-là, bon, le cadran ne fonctionne pas, je vous l'accorde, c'est un peu naze, à chier, mais c'est quand même des belles montres. Voilà. Voilà les loulous. Écoutez, c'était la présentation de cette montre Zenobi, donc le modèle S9731. G. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description pour l'achat de cette montre. Merci à Banggood bien sûr de me l'avoir envoyé, même si elle est en panne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Ciao ciao!